Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vendredi. Vendredi égale 5. Quel paire, quel trio de numéros peuvent nous donner 5? Sachant que 16, 6 moins 1, ça fait 5, ou 14, 4 et 1, 5. Le 16 peut égaler 5, 16 ou 7. Le 14 peut égaler 5, 14 ou 3. Tu vois? Bon, ça c'est bon, c'est vraiment la limite, mais bon. Aujourd'hui, le vendredi égalait 5. Quel trio, ou alors le 5 vraiment l'intéressant aujourd'hui, ou alors en paire retrouver 5, 2 et 3, 5, 6-1, c'est quoi? Déjà, on peut essayer de relier 2 numéros, 3 numéros, pour faire une combinaison ou jouer en 2 sur 4 ou couplet placé. Voilà. Aujourd'hui, égalait 5. Le 5 en lui-même, il exprime quoi le 5 en lui-même? 5 sur 5, ça exprime la confiance. Peut-être que aujourd'hui, sur beaucoup de courses proposées par PMU, on va retrouver les favoris en couplet gagnant placé, voire trio, voire super 4. Peut-être une journée apte à accueillir les favoris. Bon, ça c'est autre chose, mais bon, c'est une analyse personnelle. Mais bon, voilà, égaler 5 pour le vendredi, sinon 7 moins 2, 6 moins 1, 8 moins 3, voilà. 12 moins 8, non, c'est quoi? 12 moins 7? Ah, c'est ça, 12 moins 7, 13 moins 8, égale 5. Voilà. Si tu veux créer, si tu veux parier sur une combinaison, voilà, le vendredi, c'est égale 5. Voilà. Si tu veux créer une combinaison pour réunion 2 course 1, réunion 3 course 1, voilà. Aujourd'hui, favorable à accueillir 5, même en valeur de calcul de 2, voire 3 numéros. Ou sinon, voilà, aujourd'hui 5, 5 sur 5, donc place aux favoris proposés par les courses en trio, voire super 4, voilà. Pour les courses de moins de 9 partants, c'est possible. Ou même pour les courses de plus de 9 partants, on peut avoir des belles cotations dans beaucoup de courses. Il va y avoir les 3 plus petites cotes ou les 4 plus petites cotes qui peuvent faire des beaux 2 sur 4. On est peut-être aujourd'hui. Bon, ça c'est pour le 5 sur 5, pour le vendredi. Pour la date du 21 juillet, donc égalée aussi par des calculs, 20, 21, 22, par des calculs. 5 fois 4, 20, 7 fois 3, 21. On va essayer de relier déjà. Déjà, tu essaies de faire 21, tu essaies de faire 5, ça va te créer des combinaisons de 2, voire 3 numéros, voilà. On sait qu'aujourd'hui, bah, 5 sur 5, on est favorable à accueillir les favoris, donc fais ce travail déjà avec les favoris, déjà. Égaler 20, 21, 22 pour le 21 juillet. Essaye d'égaler 5 pour le vendredi. Voilà. On est en 2023. Égaler 20 et 23. Oui, tu as 5 numéros proposés dans l'arrivée. Tu peux égaler plusieurs résultats. Tu peux égaler 5, tu peux égaler 20, 21, 22. Tu peux égaler 20 et 23. Voilà. En 2023, 20 et 23. Ça, c'est une analyse déjà sur quelques courses depuis quelques années. Hein. Et c'est des. Voilà, si tu veux te faire une idée, voilà, de ce que c'est possible de faire pour déchiffrer les courses, par des calculs, c'est possible aussi. J'ai pas grand-chose à dire d'autre. Hein, en ce moment, on est apte à accueillir le 6 et le 9. On est en période estivale. Donc le 6 et le 9 sont les numéros les plus rentables parce que numéro d'amour, le 6 et le 9, les numéros estivales. Qui dit estival dit amour, tout ça. Donc le 6 et 9, c'est les numéros les plus rentables. Voilà. On est peut-être sur une période aussi, c'est mon avis, mais à accueillir les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Voilà. Dans les courses. Hier, encore, on a vu au Quintet. J'ai mis un poste il y a quelques semaines. Là, j'ai mis un poste. Pour le Quintet, tu prends un voire deux cotations les plus faibles, les favoris. Un voire deux des favoris, et tu mets des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Mais le quintet d'hier, il proposait beaucoup de cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Mais il y a 3-4 jours, il est tombé 2 jours de suite des quintets avec deux voire trois cotes en dessous de 10 contre 1, les favoris, et des cotations à côté avec le quintet, sur le quintet avec des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Mais sur beaucoup de courses en ce moment, on peut les retrouver gagnants aussi. Il faut faire attention aussi, hein. Il faut te dire, dans le déchiffrage des courses chez PMU, tu as la saison du 6-9 là en été,
Tu as la saison de recueillir des favoris, tu as la saison de recueillir des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 en simple placé gagnant. Voilà. La nuance entre ces périodes à accueillir, voilà, ces trucs-là, et les autres périodes dans l'année, il y a quelques petites préférences. À un autre moment de l'année, il y a un petit. Mais ça tourne, c'est toujours pareil. Tu vas avoir des préférences d'accueillir en janvier-février qui vont revenir l'année d'après, qui sont revenus l'année d'avant. Voilà. Tu as des préférences à accueillir des numéros en mars, avril, mai, juin. L'année d'avant, c'était pareil. Encore l'année d'avant, pareil. Tu vois? Bon, voilà, c'est une chose, hein, c'est une chose. Mais bon, j'ai pas de. C'est des conseils que je vous donne, hein, c'est parce que c'est des conseils sur 22 ans de déchiffrage des courses. Je sais que ces conseils fonctionnent. Donc, si tu peux accueillir ces conseils dans tes recherches et puis que ça te fasse miser un peu plus fort et gagner un peu plus, c'est très bien pour toi. C'est préférable. C'est des conseils, hein, c'est des conseils. J'ai analysé les courses pendant 22 ans. Donc je te donne le conseil aujourd'hui. Vendredi, c'est bien d'obtenir 5. Ou alors le chiffre favori du vendredi, c'est 5. Ouais, c'est vendredi. Pour le 21 juillet, donc accueillir 20, 21, 22 par des calculs. Voilà. Ou alors en 2023, accueillir 20 et 23. Le nombre de partants, par exemple, c'est 12 partants. Les 5 numéros qui vont former l'arrivée doivent composer 12 trois fois. Sachant que les dizaines, hein, tu vois, le 11 peut égaler 11, 2 ou 1 divisé par 1 égale 1. Le 13 peut égaler 4, le 12, pardon, peut égaler 3, 12 ou 2 moins 1 égale 1. Le 13 peut égaler 4, 13 ou 2. Tu vois ce que je veux dire dans le calcul? Ah, c'est compliqué, mais bon, t'embête pas trop avec ça. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais faire une vidéo vite fait. Ouais, je disais pour les courses à 12 partants, tu dois accueillir 3 fois le nombre de partants, 3 fois 12. Tu dois aussi accueillir 13. La distance, tu la divises par 2. Tu dois aussi, par exemple, une distance de 2400 mètres, tu dois caler 12 aussi 2 fois. On est dans une période de l'année à accueillir les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 gagnant. On est à une période de l'année à accueillir le 6 et le 9, les numéros intéressants. Voilà. Pour le vendredi, égaler 5. Voilà. Pour le 21 juillet, égaler 20, 21, 22. Égaler 13 aussi, égaler 13. Le chiffre de la chance. Dans les 4 premiers numéros qui forment l'arrivée, tu dois égaler 13. Le chiffre de la chance. Tu dois égaler 13 deux fois. Sachant pour les dizaines, hein, tu connais les dizaines. Hein. Je te le répète pas. Je voulais dire quelque chose d'intéressant, mais je ne me rappelle plus. Ouais, c'est une recherche sur 22 ans. 22 ans à passer à rechercher les courses. Bah, c'est comme l'hippodrome. Hein. Les arrivées, ils reviennent toujours. Hein. L'hippodrome, il tourne en rond. Donc les arrivées, c'est pareil. Ça tourne en rond pareil. L'arrivée qui est arrivée avec 5-6 partants, il y a 3-4 jours, il y a un jour, il y a 2 jours, tu peux la retrouver aujourd'hui. Voilà. Tu vas avoir des arrivées des courses à 5 à 6 partants. Bah, il va y en avoir. Va y avoir une combinaison pour les courses de 5 à 6 partants qui va sortir assez souvent par rapport aux autres combinaisons possibles. Tu vois? Donc, une période de l'année à accueillir les favoris, tu peux peut-être là miser plus fort sur la combinaison qui peut rentrer. Voilà, on connaît. La combinaison qu'on connaît. Sur mon YouTube, j'ai des combinaisons pour les courses de 5 à 6 partants. J'ai des combinaisons pour les courses de moins 9 partants. Ça peut accueillir aussi pour les courses de plus de 9 partants, jusqu'à 13 partants, de 9 à 13 partants. Voilà, j'ai des combinaisons pour le quintet, qui font un peu timide en ce moment, mais bon. Voilà, c'est des conseils que je te donne. Hein. C'est une analyse sur 22 ans, voilà. J'ai 22 ans passé à analyser les courses, voilà. T'en fais ce que tu veux, tu comprends ou pas, c'est comme tu veux. Si tu regardes juste le PMU pour regarder les pronostics des amis, si tu t'intéresses pas aux chevaux ou à ce qui est possible à faire dans l'arrivée ou aux cotations, on va avoir du mal à se comprendre, tu vas rien comprendre donc.
C'est un peu pour les ceux qui passent depuis longtemps sur les courses hippiques que je vous raconte ça. C'est pas pour les débutants qui veulent juste parier, qui suivent juste un pronostiqueur pour parier. Non, moi je suis un pronostiqueur, mais je vous fais part de mon analyse de 22 ans de recherche sur les courses, et voilà, tout ça. J'ai formé des combinaisons, voilà, pour le quintet, pour les courses de 5 à 6 partants, pour les courses de 9 à 13 partants, voilà. T'en fais ce que tu veux. Je te donne des saisons qui est profitable à obtenir. Voilà. Il y a des saisons qui est profitable à obtenir. Il y a des jours qui sont profitables à accueillir. Voilà, le vendredi 5, le samedi à accueillir 6, le dimanche 7, le lundi 1. Voilà, c'est profitable à accueillir le lundi 1, ou alors par des calculs, le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4, le jeudi 5, le vendredi 5, le samedi 6 et le dimanche 7. Voilà. Tu comprends? Tu comprends pas, c'est pas grave. Allez, bisous l'équipe, bonne journée.